Bonjour les enfants, aujourd'hui on va apprendre à écrire quelques noms des animaux. Donc, comme on a le mot hibou, le hibou. Donc, hibou, le mot commence avec H, comme 8. On écrit H mais on ne va pas le prononcer, d'accord? Donc, H, on va écrire H, I, après le I. Ibou, le B et le OU. Comment on va écrire le OU? Il y a deux lettres, O, U, pour faire le son OU. Donc, Ibou. Puis, on a le mot chien. Chien. Il commence avec CH. Deux lettres pour CH. C et H, pour faire le CH. Donc, on a le C. Et H. Donc, ch et yin maintenant, chien. Trois lettres pour yin. I-E-N. Comme bien, rien, il y a yin. Donc, I-E-N. Donc, I, on a le E et puis on a le N. Et voilà, comme ça, on a écrit le mot chien. Chien. Le mot chien, un chien. La vache maintenant. Vache. Va. Va. V et A. Donc, V. Et A. Vache. Vache. Le ch comme chien. Le ch. Et il y a le E. Donc, on a écrit le mot vache. 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 Et puis, on a le mot poule. Donc, poule. Donc, il y a cinq lettres. Poule. Donc, on a le P, le OU, tout le monde sait écrire le OU, O, U. Donc, je cherche le O et je mets un U. OU, pou, poule maintenant. Poule. Donc, j'entends le L. Et en dernier, c'est le E. Donc, poule. 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 Puis, on a le mot coq. C'est très facile. Il y a juste trois lettres. Le que. Donc, c'est le C qu'on prononce que. Co. Co. Le O. Co. Coq. Et le Q. Le Q. Coq. Le coq. Le dernier mot, on a lapin. Lapin. Donc, la, L et A pour faire la. Pain maintenant. Le P. Un, on va écrire avec deux lettres. I-N. Un. Lapin. Donc, on a le I et le N. Donc, lapin, lapin.